Hello tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment remplacer la vitre arrière de votre Galaxy S9 Plus. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 25 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'une vitre arrière compatible pour Galaxy S9 Plus, d'un kit outil universel comprenant tous les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une carte plastique, d'un sticker universel ou un sticker 3M, et enfin une spatule iSesamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un Samsung Galaxy S9 Plus. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti! Chauffez l'arrière du smartphone avec un sèche-cheveux pour ramollir le sticker qui colle la vitre arrière au châssis. Puis, insérez la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis pour les séparer. Afin d'éviter tout recollement, placez un médiator entre les deux éléments et utilisez la spatule en nylon pour décoller doucement la vitre arrière en la glissant tout le long du châssis du smartphone. Attention, la vitre arrière est fragile, allez-y délicatement pour ne pas la briser. N'hésitez pas à chauffer légèrement les bords avec un sèche-cheveux dès que vous sentez une résistance. Cela vous facilitera grandement la tâche. Et voilà, après plusieurs minutes, la vitre arrière est démontée. Il vous reste à retirer le capteur d'empreinte. Pour cela, chauffez légèrement la zone avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif collant le capteur à la vitre. Puis, insérez délicatement la spatule iSesamo sous le capteur pour le décoller doucement. Une fois décollé, replacez-le sur l'antenne NFC et branchez-le à la carte mère. Maintenant, passons à l'installation de la nouvelle vitre arrière. Si vous ne disposez pas de sticker compatible pour vitre arrière de Galaxy S9 Plus, c'est pas grave, vous pouvez utiliser un rouleau de sticker 3M. Découpez 4 bandelettes de taille égale aux côtés de la vitre, et collez-les sur chaque bord à l'intérieur, puis retirez les protections du sticker. Il ne vous reste plus qu'à installer soigneusement la vitre à l'arrière du téléphone, et la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'une vitre arrière compatible pour Galaxy S9 Plus, d'un kit outil universel comprenant tous les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une carte plastique, d'un sticker universel ou un sticker 3M, et enfin une spatule iSesamo. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou les réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles réparations.